Quei kasung inyot, kasung tibuhugad atnan, udehaninan datanan dumunishke sudrat, wahat makmalitenam, karin regis nahgadgon, udjmashkode itum wawichton, makwenu joan hat nuitseman nadin bodin dumunishkwes, winetidot etidadak dumunishkwes yutasunu. I knew it to wahniat mundishka hagata to do awid madatna, wahungap mstop mbanwaw disit. Niki Ngadewa COVID-19 coronavirus. Awuniwa with Madat Tiwanil COVID-19 Tantiwi Itiakti Aguat Udmak Awuni Tiwa with Madat Mwendish. Coucou tout le monde, comme Karine le disait, mon nom c'est Nadine Baudin, je suis coordonnatrice pour les soins infirmiers au centre de santé à Ouachat-Malioténam. C'est ça, on voulait vous parler un petit peu du coronavirus parce qu'on en entend beaucoup parler à la radio, à la télé, tout le monde ne fait que parler de ça dans les réseaux sociaux. Donc le but aujourd'hui, c'était vraiment d'avoir un message rassurant par rapport à ça. Donc c'est ça pour ce qui est du coronavirus, comme le mot dit, c'est un virus. C'est quelque chose qu'on attrape. Mais pour vous rassurer par rapport à ça, on tient à vous dire qu'il n'y a pas de cas présentement là, sur la Côte-Nord. Donc, les cas qui ont été rapportés, c'est des gens qui ont voyagé à l'extérieur du pays. Donc, c'est pourquoi qu'il y a eu des mesures qu'on appelle d'isolation volontaire et d'isolation obligatoire. Donc, les gens qui ont voyagé à l'extérieur du pays, quand ils reviennent, de leur voyage, doivent se porter en isolation volontaire pour les 14 jours dès leur retour au pays. Et puis, les gens qui reviennent de voyage doivent se porter 14 jours en isolation obligatoire pour ce qui est du secteur public. On parle ici des enseignants, on parle du domaine de la santé et puis des travailleurs au niveau des CPE. Yuta, nevet wahniatuki yuta ji no wawit madatio. Aisi huta, eshman dishkahgat, puta gogweaku de tinanus te sinat ne puta tu de wene no edagos COVID-19 ehngadet. Mak nevetin ta gogut wen gen kapamskat e te sit ka e te det. Gen wen gen duen moanut, te ji wichuat ta do, kut noa hunu ti hok nemenunwa kat kamahgat. Kutnoa hunu ti haka inu ti jitado, di vijua tiga majido. Jenta, jenga tukut maji hishku jen, jen dugun hishku si ujua kata si ujen, keman dugunash, keman jene garderi CPE, jen winuwa kati harun wita ji pa mshkado itasit. Neme numa tukuh ndo uwe mwache winuwa I harun nu ti jitado, di vijua yatne 14 jour ti jenu isolation, nu obligatoire I harun nu lor isolation. Puis lorsqu'on parle aussi de symptômes qu'on doit surveiller, surtout pour les gens qui reviennent de voyage, on parle surtout de fièvre, de toux et puis de difficultés respiratoires. Donc, dès qu'une personne présente ces symptômes, on parle beaucoup de personnes qui ont voyagé, mais même une personne qui n'aurait pas voyagé doit se placer quand même en isolement volontaire si elle présente ces symptômes-là. C'est vraiment important de le comprendre, là. Question d'avoir un certain contrôle sur ce qui va venir dans les prochaines semaines. Donc, c'est important de comprendre cette information-là. Tadino katsahno tudam, tadjustastam, mak tadino an mundi elelet. Awanenu tiri nagduen dagwen tanwenemenu mahagat, kati the dead itasit. Il y a beaucoup de mesures préventives donc chacun peut faire pour justement éviter que ce virus puisse se propager ou que l'augmentation de cas puisse avoir lieu. Donc quand on dit la première mesure que tout le monde devrait prendre c'est vraiment au niveau du lavage des mains. Donc, toute personne devrait se laver les mains un minimum de 20 secondes avec de l'eau et du savon. Si jamais vous n'avez pas accès à de l'eau puis du savon parce que vous êtes dans la voiture ou vous êtes dans un milieu public ou quoi que ce soit, une solution à base d'alcool et d'eau, exemple du Purel, peut très bien faire l'affaire. Donc, il y a ça comme règle de conduite. Aussi, quand vous éternuez, on vous demande d'éternuer dans le pli de votre coude. Donc, posez
poser le nez et la bouche dans le pli de votre coude pour éternuer. Et puis, si vous utilisez des mouchoirs, de toujours jeter les mouchoirs au niveau, dans une poubelle, question de pas les laisser traîner sur des surfaces quelconques. Et puis, on évite aussi les contacts directs parce qu'on sait que le virus se transmet par contact direct, des gouttelettes dans l'air. Donc, en évitant tous les contacts avec les personnes, donc on va éviter de contaminer quelqu'un. L'alcool, ni hattogun, ni c'est à base d'alcool, ni le petit liquide, y'a t'ni m'en autre, t'y abstein, n'a non. Et où c'est à ch'ta coin, t'y dis, nous, à guat, ou d'ic, t'y gandé, ou de henda, ou d'y nous, j'pédan, t'y dis, où c'est à ch'ta, comme à guéternuer, y'a t'y tout. Et s'en a guet, ouen, n'a m'en ou gadi, s'en a guet, t'y dis, n'a d'ouéb, n'a g'nou, m'hén y'a n'a m'di, k'a ouéb, n'a n'a n'a, t'y gat, t'amog, d'y nous, Nagadek, makiat tsundwen magunoyat hat inu tsiga inu mstapesista yuk wen iden dakwen inu aguhu kamak tsuna idamajuta inu bond aguhu jun tsiga inu mstapesisha inu tago di na notri datan tsuna makiat desinfecte hat zitu danat inu les surfaces de travail hat souvent. Nete wan stad na nuata a betani tji na han ni natam tsna shagwahak un han puma sen maku hasta ta tsa shpahabani a gun tsa ta go no ka ma buzu ta go ya ka gune we tu ham stab de tsi hat me choid mat na choid maguna no tan tsi witjak ne me tsi ga shpas ta go ya ne me tsu ku de pabne a gun. Je voudrais rajouter aussi concernant les mesures de prévention, les personnes qui présentent des symptômes, on leur demande aussi d'éviter d'aller visiter des personnes qu'on considère plus vulnérables. Ici, on parle des personnes âgées, des personnes avec des maladies chroniques, des personnes sous traitement de chimiothérapie, des personnes qu'on dit aussi immunosupprimées avec des traitements immunosuppresseurs. Donc, on sait très bien que ces personnes-là ont des problématiques au niveau de la santé, sont plus fragiles. Donc, on essaie de pas contaminer ces personnes-là. Donc, si vous présentez des symptômes quelconques qu'on a parlé plus tôt, donc éviter d'aller visiter ces personnes-là. Donc, on essaie de garder une certaine distance par rapport à les personnes un peu plus fragiles, question de ne pas contaminer. Ne me stable de tu chenote ti da mando mang jen yat kam stag hu jen ma che tag hu an ka gun end mu jen yan jen e ka u ka hi wa hi mu guet jen u te do hu ag hu nu ka gun end mu jen a btin jen a wa che ji tu do ag wat che gi den da mak sta wa no cha cha ga hu ha jo ma gu che u ha me e de du no pu sh pa hu che mo nat ne me no chu wa che sh pa do ko di wi yat On ham wan se cha ja humina not chen not man jen e no a ka hu jen ji de no no le maladie chronique ni ke ga de wen lo a won ne te no a de te no a us ta stomach ka cha no to de mek an mu ye te ji le le ye ts ga ha jo me bu jen e no a chen not man jen a hu not. Donc, je tenais quand même à préciser, si jamais vous faites de la toux, de la fièvre, difficulté respiratoire, je vous invite à appeler le 811 ou le 1-877-644-4545 ou il y a un site internet aussi, le québec.ca coronavirus, où est-ce que vous pouvez avoir accès à toutes les informations par rapport au coronavirus. Vous avez vraiment toutes les informations, questions, réponses, tout ce qui entoure le coronavirus. Awan isi huta stab dat yuta jindu sendeno ni huite wit a magnino hat a wit set set 644-4545 mag delis site web québec.ca coronavirus tsadia dindu sendeno genwen gen wit a un tse mtwit tat yu gen kagunen demu gen kamaten madi hu gen hashi agu hat mag kuda do gen de ita sit. Un ham o gwaddi u jabanna ag huni ta sidde inu ta ji kashna. Mok mi ame da dogocha, eushku dechi nanu puta ga uguyak, che eushku bnanu mok cha, chegmai ha gwaccha ji inu
tagorguyakudi hasulim shtamhot sum chwani tubmat inutwegan wahat mamalutenam tgidat nota ki aino tsumshtabu hugadat nan chimaman abonye kizbaji minanya twindutsen mukedat dundeninandum nishkwesum jwap wahat mak malutenam